Mais ça, c'est monstrueux, par contre. Ça, c'est monstrueux. Je pense qu'on peut casser la map. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que... Alors déjà, de base, c'est surpuissant. Et en plus, est-ce que vous vous rappelez les stacks de mobs qui existent à plus de 1000k? Oui, mais est-ce que vous vous rappelez que dans chacun de ces trous-là, il y a des milliers et des milliers d'adversaires? Donc je suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait pas genre tout réunir, on met sur Eovasius, et après on lui donne la corne Horn of the Abyss? Non, tu vas pas faire ça, mais bien sûr que si. Attends, la map me le permet, je vais le faire. Et je vais tenter, mais je pense que si ça marche, on est invincible, les amis. Hein. Je vais faire ça, je vais faire trou par trou. Et on va se faire une armée de fangarm de vraiment de psychopathes. Je dis, ce ne sont pas des gentils hommes. Là, ça commence, ça triche. Mais non, mais je suis désolé, ça triche pas, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu. Moi, on me donne la Horn of the Abyss. Je sais qu'il y a des ennemis là. J'y vais, tu vois. Alors par contre, il faut commencer au départ à pouvoir faire un combat dans un des trous, là. Et la Horn of the Abyss, elle se met à quel endroit? Ça, je sais pas. Ah, elle se met là. En plus, ça prend pas de place. Non, mais c'est incroyable. Alors, je fais ça, et là, je me casse. D'accord, donc en fait, je peux me TP. Attendez, j'ai envie d'essayer, au secours. J'ai envie d'essayer. Attendez. Si on fait, on va à Styx. On va à Styx, et... Je vais faire un essai, mais... Donc, on a ça. Donc ça, comme c'est que des sorts de niveau 1, normalement, ça va marcher. C'est-à-dire que ça va mettre tout de suite la lenteur sur les ennemis. Donc, par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est de choper plus de stats pour les... Plus de titans. Donc, je vais choper des titans. Tac... Attention, zone mort vivant. Ouais, je sais que je peux pas raise. Mais justement. Justement, c'est pour ça que je prends une armée qui va pas en avoir besoin. T'inquiète pas, je l'ai bien en tête. Je l'ai bien en tête. Là, je vais à Styx. Enfin, j'ai trop hâte de tester. J'ai beaucoup trop hâte de tester. Vitesse 13, donc là, je peux tout garder sur moi. Ouh là là, il se passe des trucs trop stylés. Qu'est-ce qu'on fait? On va en mer avec lui. Le truc, c'est que si on se fait choper... Mais après, il n'y a plus de héros, de toute façon. Donc, on s'en fout. On peut y aller. Hein. Vous savez quoi? On va en mer. C'est des fous dingues. Là, on monte. Ah. Ah, il n'y a que Dracon qui peut passer. Mais on l'a, donc on pourra avancer ici. Et donc, éventuellement, ce sera des stats et ce sera trop bien. Intéressant. On peut prendre des momies et il n'y a pas de défenseur. Ah, ça, c'est bien, ça. Là, je suis obligé de passer par là. Et là, il y a peut-être un truc, alors. Ici, je prends ça. C'est gratos. J'en perds 5. Est-ce qu'on veut se faire chier? Peut-être que si je fais les sorts, j'ai 0 perte.
Est-ce que ça vaut le coup d'entrer là? Je sais pas si j'apprends un sort, mais on va y aller au cas où. Et là, ça, ce qui fait plaisir en récupérant des châteaux remparts, c'est... alors non, on veut pas installer le Graal, c'est ça. non, c'est pas ça. C'est... Attends, il est où le truc? Non, c'est ça. Ah, mais je peux pas le construire! Oh non, Miraxi qui construit trop bien la map. Au secours, les gens trop intelligents, là. On peut pas bénéficier du 10% d'intérêt alors qu'on a une fortune de zinzin. Au secours, les gens compétents. Au secours, laissez-moi tranquille. Ça marche que sur les living créatures. Ah! Ouais, peut-être que ça marchera pas du coup. Peut-être que ça marchera pas. C'est vrai. Dans ce cas-là, ma strat marche pas. Ah, putain, je serais dégoûté si c'était ça. Ouais, et puis donc si ça marche pas, je peux plus... Alors, est-ce que je peux tricher ailleurs? Est-ce que je peux tricher ailleurs si ça marche pas? Bah après, il n'y a plus qu'à viser les unités qu'on n'a pas encore attaquées, mais bon, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Il n'y en a plus beaucoup, il y a ça, il y en a quelques-unes, mais... En fait, il a trop bien conçu sa map, hein, Araxi. On a marre des gens intelligents. Donc voilà. Les LM, c'est considéré comme vivant? Non, je pense pas. Non, non. Non, non, non. Ok. Là. Je vais là, ça me fait un petit point de défense. Là, ça me fait un point de puissance. Là, je ramène l'archange. On a dit, on s'arrête dès qu'on trouve l'île volcanique. Hein. Je l'ai pas encore trouvé, je crois, mais... Ça s'arrête juste après. Parce que là, sinon, on a fait tout le taf. Hein. On a fait tout le taf. L'orange qui se fait chier. Très bien. Bon, il va commencer à remonter. Là, ça va être un problème. Alors, l'île volcanique. Est-ce qu'elle est par là? Alors déjà, est-ce que... Ça, c'est que des stats. Ouais, c'est que des stats. Hein. Tu me diras, c'est déjà pas mal, mais... Je m'attendais à mieux. Là, il y a un accès à ça. On pourrait se faire ça et avoir le dernier globe. Alors, attends, peut-être pas. Peut-être qu'on peut pas passer. Si, on peut. On peut, donc on peut se faire le dernier globe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est... L'île volcanique. Putain, mais il n'y a plus beaucoup de mer, là. C'est pas possible. Non, mais ça se trouve, elle est là, là. Elle est là. Ou alors, elle est en haut. Je ne sais pas. Alors, on peut tester. On teste un trou. On teste un trou et on voit ce qui se passe. Là, il y en a un ici. Ok. Non. Je fais ça. Là. Ensuite, alors attendez. Parce que du coup, ça a mis lenteur. Donc moi, je peux me buffer comme un zinzin. Il n'y a aucun souci. Je peux faire un bless. Par contre, je vais pas leur faire assez mal. Est-ce que je fais un wait et je bloque avec... Attends. Il y a combien qui vont toucher, là? Normalement, ils ok. Genre, je wait. Là, je... Ah oui, mais je peux pas faire de buff, bordel de fesses. Ok. Donc là, je bloque ici. Pour que la liche puisse pas taper. Là, je fais ça. Je fais ça. Là, je pourrais faire ça, mais je vais mourir ensuite. Donc, Taïo.
Précision, c'est level 1. Non, c'est pas level 1, c'est level 2. C'est level 2. Après, level 1, je peux faire Stone Skin et tout ça. Shield, c'est, ça augmente la défense, mais au corps à corps, donc ça a aucun intérêt parce que c'est les liches qui vont faire le plus de dommages. Curse, je peux pas le mettre sur eux. Je pense que Stone Skin, c'est le seul truc que je peux faire d'intelligent. Slow, les vampires, mais ils sont déjà slow. Ils sont déjà slow avec mon... T'as pas Air Shield, mais c'est pas niveau 1 Air Shield, les amis. C'est pas niveau 1. C'est niveau 3. Non, c'est pas niveau 1. Mais en fait, j'ai déjà mis slow automatiquement, Alex, parce que tu sais, j'ai l'armure des damnés. Il met de base slow sur tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que je fais ça. Hein. Je pense que c'est ça. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ça m'arrive tout le temps. Il n'y a pas de problème. Alors, par contre, ouais, je pourrais faire ça. Bon, par contre, je vais me prendre un coup. Je vais me prendre un coup par les liches. Après, qu'est-ce que va prioriser la liche? Je ne sais pas. Les archidiables. Est-ce que c'est grave, docteur? Là, genre, on fait ça. Là, on wait. Ok. On va faire ça, mais le truc c'est qu'il va me toucher. Un peu la merde. Auras-tu assez de tirs? Oui, c'est une bonne question, mais je pense que oui. Je pense que ça va aller. Parce que je fais quand même assez mal, hein. Quand même assez mal. J'aurais peut-être dû attirer avec le one stack. D'ailleurs, je peux toujours le faire. Alors, je fais ça. Le one stack, je le mets genre là. Ce qui fait que ce vampire là va venir là. Je me décale là. Ça, d'accord. Alors là, ça va commencer à être cocasse par contre. Donc là, je pense qu'il va falloir commencer à mettre des hâtes pour aller à l'autre bout de la map à des moments précis. Ouais, je peux pas blind parce que c'est pas un... Je pense qu'il faut commencer à mettre des hâtes là. Lui, il peut aller partout, on s'en fout. Par contre... Hop. Ah, c'est chaud, hein. Je peux faire ça. Ah, salut Sami Gina. Salut, malheureusement, tu ne feras pas de Fangar. Bah ouais, c'est bien ce qu'on pensait. Hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais on va quand même aller jusqu'au bout. Un max d'XP, ouais, oui, c'est sûr. Et je pense que c'est, enfin, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il peut pas me toucher si je fais ça. Je pense que je fais ça quand même. Hein. Ok, bon, là, c'est le moment où je vais de l'autre côté de la map. A été un tout petit peu avec ça, mais c'est tout. Je fais ça. On est d'accord qu'on a hâte, hein. Ouais, on a hâte. Flèche magique, j'en tue 13.
Bon, ça devient compliqué cette affaire. Là, je pourrais faire ça. Je pourrais presque tuer eux là maintenant à ce tour-là. Ouais, je pense que je peux. Tu peux pas me toucher, donc je fais ça. Ça. Ok, ça c'est Gwen. Ensuite, là, Tayo. Je peux me mettre safe en haut à droite. Tac. Là par contre c'est compliqué, donc on va se rebasculer de l'autre côté. Là je peux faire un wait ici. Est-ce que j'ai un safe spot? Ici c'est un safe spot. Là éventuellement je peux mettre là. Ok. Là j'ai fait un wait, donc je peux faire ça. Hop. Hop. Là c'est compliqué d'avoir un safe spot. Et okay. Eh ben c'est quelque chose hein. C'est quelque chose. Alors là je pense qu'il me... Ah il me touche. Bordel de fesses. Il me touche. Je suis obligé de faire ça. Voilà, la vache, je peux pas sauver mes génies, je crois. Ah merde. merde. Attendez. Ouais, non, je crois que... Ah, si je fais une hâte. C'est bon. T'aurais pu tuer les vampires. Non, parce que j'avais un stack de squelettes qui pouvaient me toucher. Sauf erreur de ma part, hein, mais quasiment sûr. Par contre, là, peut-être que je peux le faire. Parce que là, je fais ça. Lui, il peut pas me toucher, lui non plus. Donc là, je peux le faire. Là, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Attends, je vérifie. Ouais. Ça. Là, je dis... Tape comme ça. Hop. Là, je fais ça. Tac. 4900, donc c'est bon. Bim, là c'est la fin. C'est la fin du combat. Bif. On va faire ça. Paf. Hop. Clac. Clac. Et voilà. Bon. On l'aura bien géré. Ça fait quand même 500 000 d'XP. Hein. 500 000 d'XP, c'est énormissime. Mais bon, on a déjà beaucoup de niveaux. Après, ça fait chier de perdre ça, mais effectivement, si on ne gagne pas des Fangarm derrière, ça n'a pas autant d'intérêt. Non, on n'en gagne pas. Donc effectivement, vous aviez raison. Vous aviez raison. Eh bien, écoutez, au moins on sait. Au moins on sait. On aura appris quelque chose. Moi, je ne savais pas. Voilà. Je sais pas chez vous, mais moi je ne savais pas. J'ai appris quelque chose sur le jeu. Et ça fait plaisir. Mais alors, du coup, c'est moins pété que ce que je pensais. C'est moins pété que ce que je pensais. Et donc, si on veut vraiment... 2 levels pour 5 archidiables. Ouais, ça va. Ça va.
on veut vraiment tirer parti du Horn of the Abyss, ça veut dire que ouais, les 1K Naga à la limite, pourquoi pas, ouais, on peut tenter les 1K Naga. Et les Aspides aussi qu'on avait vu en haut. Peut-être qu'il y aura d'autres défenseurs. On avait vu des trucs aussi, je crois que sur l'île ici. Genre c'est trop, ouais, ils sont pas très nombreux. Hein. Ça typiquement. Ah mais non, pardon, ça c'est non vivant aussi. C'est non vivant, donc ça c'est pas possible. Les 500 behemoths royaux, c'est vrai, ceux-là sont utilisables en l'état, ouais. Ouais. Pour voir si c'est suffisant pour que ce soit menaçant, parce que autant avec les trous, si ça avait marché, ça aurait été incroyable. Autant là, ça l'est moins quand même. Hein. Ça l'est moins. Bon, je suis déçu, je vais pas vous mentir, mais au moins on aura tenté. C'est comme ça, hein. La vie est ainsi faite. Ah, un cloud temple. Ça, c'est pas mal. Hey, what the fuck? C'est quoi cette zone trop bizarre? On est où, là? On est où? Il y a des lampes, mais... C'est une extension du biome, là? The fuck? Extu unité, ils apparaissent sur le... Ah ouais, en plus, c'est directement sur le... Directement pendant le combat. Alors ça, c'est énorme, je savais pas. Je ne savais pas. Bon, bah là, il y a... Oh! Ah bah voilà! Mais il suffisait de demander, les amis. Regardez-moi ça! Sur un plateau d'argent. Alors, faut trouver le moyen d'entrer là. Mais il suffisait de demander. Il faut juste trouver le moyen de venir là. On va regarder ça avec attention. Mais, et franchement, on vit des émotions là dans cette map. Hein. Vous trouvez pas? Ça monte, ça descend. C'est la folie. Moi, mon cœur va pas tenir. Hein. De la vision. Encore une librairie, une bibliothèque, pardon. Ok. Donc là, la suite, c'est là, hein, évidemment. C'est le rose. Rose et le rose est là. C'est hyper étendu, son bordel. Hein. Et c'est là. Mais je suis sûr, l'île volcanique, c'est là. Hein. Quasiment sûr. Hein. Là, attendez, il y a tellement de trucs, c'est tellement grand. Est-ce que je loupe pas des choses? Donc là, il y a un héros là, un château ici. Ah oui, il y a un. Ah oui. Tu dis vrai, Samy. Ouais, je pourrais passer par là et direct prendre ça. Hein. On peut faire ça. Évidemment, c'est vidé. On va là. S'occupe de Myrlanda. Mission colère romain, une bonne raclée générale. Voilà, c'était ça mon idée. Ici, de toute façon, ça sert à rien. On va prendre ça. Sortir. Tac. Dracon. Continue. Je crois plutôt que tu veux un verre. À ta santé. À votre santé à tous. Merci beaucoup, Nacher, tu fais plaisir. Franchement, là, je suis trop content parce que on n'a pas joué tant que ça. Bon, je dis on n'a pas joué tant que ça, mais il y a 4 heures de live déjà. Mais par rapport aux autres sessions de 7-8 heures qu'on s'était fait, je trouve que là, on a avancé de fou. Hein. On a avancé énormément. On a quasiment les 4 globes. On a 3 sur 4. On a tout dégommé. Il ne reste que des bouts de rose. Et évidemment, il y a Murdoch côté orange qui nous résiste. Mais sinon, là, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. Hein. Il n'y a pas de gros fight, ouais, ce sera pour la prochaine fois, je pense. Alors, je me demande si je m'arrête pas là pour ne serait-ce que voir ce qu'il y a autour. Bon, ça me fait quand même perdre 2 tours pour rien. Alors, je sais pas où elle est, cette fucking île volcanique, mais elle a pas l'air d'être là. Ou alors, à moins que ce soit ça. Parce que ça, c'est une île volcanique, hein, concrètement. Soit elle est là, soit c'est ça. Ouais, elle est là. Mais bon, celle-là, j'y crois pas.
plus, ça évite les restes de feeling, c'est évité par magie. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais effectivement. Bon, on va récupérer toutes les mines, hein. Tant qu'on est là. Hein. Attendez. Il y a quelqu'un là, je crois. Hein. On est d'accord? Ça, par contre, ça m'embête parce que... Ouais, c'est le rose qui est là. Pas qui... Ah mais normalement il est pas censé pouvoir passer là parce qu'il a fait exprès justement que t'aies besoin d'un objet qui cache sur le terrain et l'IA peut pas le récupérer donc normalement il est ok. Le orange je sais pas ce qu'il fout mais c'est tant mieux pour nous. Et le rose qui vadrouille, faudra juste vérifier un petit peu où est-ce qu'il est avant de faire nos trucs. C'était déjà vidé. Elle est où cette île? Grand Dieu! Ok. Bon, ça, c'est un peu comme une utopia au final. Hein. D'ailleurs, on pourrait le visiter. Ah, bah, ça a été, fouillé. Ok. Donc là, je sais pas si on pourra aller au-delà. Apparemment, si. Ok. Vide-les alors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est-à-dire que on a la Horn of the Abyss. Donc on pourrait tenter d'aller par là. Oh, il y a ça aussi devant. Oh, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Oh là là, j'ai trop envie de le faire. Hommes, c'est parti. Alors là, on va commencer par ça. Okay. Là, il y en a un autre ici. On est d'accord qu'il n'y a rien qui menace sinon. Un là, un là. Je vais le rechecker quand même parce que je crois qu'il y avait du mouvement côté rose qui était un petit peu embêtant. Et on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Normalement, c'est bon. Alors, par contre, est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer par là, là? Ou est-ce qu'il y a une chaîne ici de montagne qui va me faire chier? Je me dis que vaut mieux pas tenter le diable et plutôt passer par là. En plus, il y a un petit plus 1 en défense. Ouais. Donc là, on va checker ça. Là. Ok. Faut prendre des Rose Dragon. Sur lui, pourquoi pas. Bon, après, ça coûte très cher. J'en ai pas forcément besoin. Et comment je vais là? C'est là en fait. Hein. C'est ça. Hein. Okay, alors ici, ça c'est trop surprenant comme zone. En plus, elle n'a pas été fouillée. Hein. Il y a plein de richesses. Ouh, mais ça aussi, c'est une victime potentielle pour faire des fangarmes. En fait, il y en a plein finalement. Il y a plein de victimes potentielles. Ok. On est où là hein? Je sais pas où on va, mais on y va. Et là, il y a un petit panneau. Lac triple. Ah, mais c'est le fameux lac qui se TP aux autres lacs du monde entier. Donc là, on a le TP. On connaît les autres. D'accord, très bien.
Voilà, on va juste récupérer les ressources. Mais l'orbe d'or... Oh oui, t'inquiète pas, j'y pense. J'y pense. De toute façon, on a fait quasiment le même combat tout à l'heure, donc j'avais bien pensé à mettre l'orbe noir, je vais le faire. T'inquiète pas. Mais tu as bien raison de me le rappeler au cas où. Ok, et là, donc... Ce que je fais, c'est... Petite save. Donc, on garde ça sur nous. Ça, pour leur mettre la lenteur directe. On met l'orbe noir, évidemment. À la place de quoi ? Oh, le moins 1, ça peut toujours proc, ça peut être sympa. Comme il y aura l'orbe noir, je pourrais les blind. Et je pourrais en plus raise les miens, normalement. Donc, normalement, ils ok. Lock moins 1. Je pense que je vais juste m'enlever ça. Et je vais y aller. Je peux faire ça pour avoir le moral en plus. Ce qui fait que ça compense que je viens d'enlever. Hop. Je me retrouve à 3. Tout va bien. Et là, je fais le combat. Je mets un petit stack comme ça. Ok, ça c'est cool. On va les blind. Énorme. Donc là, on fait ça. Et hop. Alors combien j'en ai gagné là? Ah mais non! Au secours. Et Sarazata en plus qui me l'a dit au dernier moment. J'ai complètement oublié. Au secours. Quelle sentence ? La mort par décapitation. Ouais, le streamer est fatigué, d'accord ? Normalement, on devait arrêter il y a une heure et demie de ça. Donc, soyez indulgents. On va recommencer. C'est reparti pour un tour.
Aïe. Bon, après, je peux raise normalement, donc il n'y a pas de souci. Et ben voilà. Alors là, j'en ai combien? 343. C'est quand même pas mal, cette affaire. Parce que ça va vite monter, hein. Ça va vite monter. Parce que là, regardez, on va enchaîner avec ça. Alors, par contre, c'est une garnison. Non, c'est pas une garnison magique. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce que si je laisse là, ça va se cumuler là-dessus? Normalement, oui. Je peux faire ça. J'ai aucune perte. Je passe à 479. Incroyable. Ça, c'est gratos. Ça aussi, d'ailleurs. On y va. Esprit d'oppression, mec. Et on se fait tout ça, là. On se fait tout ça. Dans le début du tour, c'est quoi? Okay. Bon, rien de fou, tout va bien. Donc là, on sait toujours pas où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est une ligne enneigée. Ah, il y a des azures, ceci dit. Il y a des dragons, ça c'est pareil, on pourra les transformer. L'île, elle me rend ouf là, j'ai toujours pas vu. Dragon, ça va pas marcher, on est d'accord. Ça va pas marcher sur ces trucs-là. Parce que ça, c'est pas vivant, donc normalement, ça devrait pas marcher. Oh! Je pense que c'est l'île avec le TP rouge. On verra bien. On verra bien. Là, on fait ça. Là, il y a du monde encore. Hein. Waouh, la vache. Bah ça, c'est pareil. Je pense que on va commencer par ça. En plus, ça se déplace vite en vrai. Hein. Ça va être vite embêtant. Hein. Ça va être vite embêtant. Après, je peux rêver, évidemment, donc je m'en fous un peu, quelque part. Je peux quasiment les tuer, let's go. J'aurais pu jouer Berserk, oui c'est vrai. C'est vrai que c'était un play. C'était un play. J'aurais pu jouer Berserk. Après, vu que je peux raise à la fin. On est d'accord que je peux raise là. Hein. Pas d'embrouille, ouais je peux raise. Donc ils ok. Je me demande s'il y a un truc qui serait pas malin, c'est de faire ça là. Faire ça ici. Par contre, le truc c'est que lui, il va pouvoir me toucher, je pense. Au moins lui. À mon avis, je vais pouvoir me faire toucher quand même, mais on va voir. Là, je fais ça. J'en ai combien? 77.
Hop. C'est pas mal cette affaire. Ça. Là, je peux les sauver pas. Je peux faire. Je peux faire un téléport. Ou alors je peux faire un clone. Oh, le clone est plus intéressant, je pense. Tac. Donc là, je m'en fous. Donc, 3 gros packs. Après, je vais pouvoir reste, donc je m'en fous. Hop. Ah, je peux attaquer là. Oh. J'ai des hypnotisés en plus, incroyable. Là, je les tue. Là aussi. Putain, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Attends, lui, il en a pour, ouais, il en a pour 1000 tours. Alors, qui c'est qui on peut raise là? Il y a eux. Tac, il est gêné. Tac, et on a reste tout le monde. Ah, ça va pas être la même limonade. Ah oui, là, là on va devenir complètement unleash. Pif, combien j'en ai? 940. Ça y est, c'est le début du grand n'importe quoi. Hein. C'est le début du grand n'importe quoi. Attention. C'est parti. Putain, il est 23h. Il faut qu'on s'arrête par contre de jouer à un moment donné. Hein. D'attaque, 20 de défense. Tain, ça y a moins que ce soit stylé aussi. Hein. Intéressant tout ça. Ouais, non, mais là, je suis trop à fond dedans. Je suis trop à fond dedans, j'arrive plus à m'arrêter. Au secours. Royaume nécromant ouest. Ah, donc, ouais, donc ça, c'est l'entrée. Et alors là, on est chez qui? Mais on est chez le. On était dans le royaume du vert, là, je pense que ça va être. On va arriver chez le vert. Eovasius, il y a un héros là. Ah bah tiens. Prends un château. Ouais. Ici on prend ça. Bif, paf. Il y en a des mines dans le coin là. Il y en a. Ok, bah tiens, on va aller voir de ce côté là. Et l'orange qui commence à descendre, il va commencer à devenir inquiétant. Bon, ça me gave. Elle est où cette île volcanique de ces grands morts là? Elle est où? Parce que soit elle est là, soit elle est là. Mais là, ici, c'est plus au nord-ouest. Ou alors elle est là. Elle est en plein milieu ici. Non mais elle est forcément là. Attendez. Et du portail rouge. Tu crois? À l'île ici? Bah dans ce cas-là, tu sais quoi? On revient, on regarde s'il n'y a rien là. Et s'il n'y a rien là, ça veut dire que c'est que t'as raison quoi. Vas-y, on fait ça. On fait ça. En tout cas, il va vite en mer, donc c'est plutôt stylé. Attention, on arrive à 1000. 1200. Ah! Là, j'ai des pertes. Mmh.
j'ai passé alors que j'aurais pas dû, c'était pas grave. Pif. Oh là là, ça commence à taper hein. Ça commence à taper fort hein. Oh, il y a 12. Oh là là, la folie. Ok, j'imagine qu'il y a d'autres trucs comme ça. Ok. Ok, 2200. Là, il y a une quête. Il y a une quête. Les bottes de Wayfarer. Bon, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa à prendre. Voilà. Là, il y a des géants, si vous voulez. On peut aller se faire ça. On peut aller se faire les géants. Il y a des Black Dragons aussi. C'est sur le chemin, les géants, non? Quasiment. Quasiment sur le chemin. Je pense qu'on va le faire, hein. Et on va aller par là. Là, je pense que ça vaut presque plus le coup de se TP à la maison pour repartir. Transhomme, c'est où? Transhomme, c'est où? C'est là. Ok, le roi, on se casse. On prend ça. On se casse. Mais j'aurais dû TP, je suis trop bête. Oh, je suis fatigué, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. J'ai quoi comme armée? J'ai que dalle. Et... encore des dragons de soufre ici. Et Oasus, donc là, il se fait le rose, j'ai pas envie de le faire. Je crois qu'on a le l'Iron Fist. Il me semble qu'on a tout. Parce qu'on a ça, on a le club. Il me semble qu'on a la... ouais, on a la couronne, on a ça. On a le club, et c'est quoi le dernier truc déjà? C'est le bouclier. Il y a un bouclier, alors ça je sais pas si on l'a par contre le bouclier, mais en tout cas on en a au moins 3 sur les 4. Ouais, place dans l'inventaire, ça c'est vrai. On peut peut-être faire un petit truc safe pour justement se débarrasser. Que là on prend un Cassiopée, tac, et on va lui filer des trucs qu'on a en triple là. On est en triple. Les gants. Paf, paf. Est-ce que j'ai encore en... Ça, je m'en fous. Ça aussi. C'est vrai qu'on a le sharpshooter sur nous. Swiss qui est pas de 7. Oui, de manière générale, oui. Maintenant, je pense qu'on peut y aller. Puis les trucs de vraiment de début, tu vois. Ça, on s'en fout. Berserk. Ça aussi, on s'en fout. Ça, je le garderai bien sur moi, quand même. Le moins 2 en luck, on l'a déjà. Hop. Là, on l'a en double. Ah, c'est déjà pas mal, non? Je pense que c'est déjà pas mal. Ça suffit. Tac. Alors, la suite. La suite, on récupère le château là. Et après, il sera en perdition. Non, mais elle est là, c'est sûr, l'île, elle est là. Il y a un château en plein centre et ça correspond au nord, au nord-est. Hein, ça correspond. Hein.
tout cas, nous, on continue à descendre. Hein. Ah merde, je vais te faire tout le tour. Et j'essaie de jouer vite, hein, parce que là, on arrive à un moment où c'est plus forcément super intéressant de tout faire. On peut pas passer par là. Je vais être obligé de contourner dans ce sens-là. Il y a juste, ce qui m'inquiète, c'est juste l'orange, parce que là, l'orange s'approche dangereusement. Là, il y a un rose qui s'est approché aussi. Pif, il est où ? Il s'est approché d'un de mes châteaux qui est là. Ouais. Est-ce qu'il est dangereux pour autant ? Ça se trouve, c'est vraiment juste un scout. Ouais, voilà, c'est juste un scout. On s'en fout. Ça. Pire, on prend ça. Ensuite, on la vire. On rachète quelqu'un là. Tac. Ilor. Allez. Ok. Alors, est-ce qu'elle est là, Lille ? Ou pas ? Ah ? Ah ? Et l'île volcanique est ici, et il y a la tombe ! Seul le roi nécromant peut passer pour visiter la tombe de son épouse. C'est ici, les amis, c'est ici. Ah ah. Alors, c'est... Ok, donc seul le roi peut passer. Après, il y a une quest... Et après, il y a la tombe. Donc ça, alors le problème, c'est que la quest, je sais pas ce qu'elle va me demander, quoi. Ça, c'est un peu emmerdant, parce que je peux pas savoir avant d'y aller avec le roi lui-même. C'est un peu emmerdant. Et donc, ouais. Je pense qu'il va falloir se TP ici avec le roi, venir là, prendre un bateau et y aller, hein. Je pense qu'on fait ça. Hein. Là, ouais, le truc, c'est que je peux pas me TP depuis le bateau. J'ai fait une connerie à me mettre en bateau, là. Bah, tant pis, hop, je sors. On va se TP au prochain tour. Je finis ce tour-là et on arrête. Hein. Je pense que ça fait déjà une bonne session, là. J'ai beaucoup trop joué aujourd'hui. J'étais censé me coucher tôt. C'est pas du tout ce qui se passe dans la pratique. Aucune volonté. Aucune volonté du streamer. Ça va être pas très chiant, pas grand chose. Donc bon. Là, c'est pareil, c'est des quêtes qui font plaisir. Ok. Ah, il y a encore des trucs là, dis donc. Il y a encore là. Seul le roi à 32 stats peut passer. Ah, ce serait horrible. T'imagines ? Ah non, mais le pire, c'est que ça se trouve, ça va être un truc comme ça. Après, si c'est ça, on peut aller vite parce que on le TP aux différentes bibliothèques et voilà. Mais ça peut être chiant quand même. Hein. Ah merde, je peux pas passer là. Quel enfer. C'est trop chiant cette île, cette presqu'île là. Et là, on reprend tout. Ah merde, pardon. Reprend tout. Je sais même pas si j'ai besoin d'avoir toute cette armée. Hein. Bon, allez, vas-y, je vais la prendre quand même, mais je suis même pas sûr que j'ai besoin de prendre tout ça. Et ça. Et là, on va attaquer les géants. Et cher YouTube, on va s'arrêter là. Vous l'avez peut-être pas senti parce que c'était coupé en plein d'épisodes, mais sachez qu'on sort d'un live de quasiment 5 heures. J'ai beaucoup trop poussé, je suis fatigué et en même temps,
hyper content de cette session, c'est trop trop cool là. Parce que la dernière, la fin, c'était très dur parce que on s'est coltiné le orange et on s'est rendu compte de sa puissance. Je me suis dit, oula, ça va être un enfer. Et au final, il s'est perdu dans la pampa. Il a pas piqué, il a juste piqué un château et basta. Donc il nous a pas trop embêté. Pendant ce temps-là, on a pu faire nos affaires. On s'est débarrassé du vert, on a bientôt fini le rose et on a quasiment vu tout dans la map. On récupère l'Horn of the Abyss, donc on se fait un power pack de zinzin niveau Fangarm. Ça avance de fou. Et on a repéré énormément de bibliothèques, ce qui fait qu'on va pouvoir donner encore de nouvelles stats à Eovasius. Parce qu'on avait commencé à faire ça au début, mais on s'y remettra ensuite. Voilà YouTube, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao, ciao.